Alors, mon repas, les amis, brocoli, comme d'habitude, concombre, zucchini ou courgette, et l'un de ces deux oignons. Alors, cet oignon, je le coupe en tranches et je le mets dans la machine qui est là, New Wave, qui est un grill. Donc, je mets ça là-dedans, je laisse 2 minutes. Et si c'est trop fort, eh ben, ça casse un peu le piquant. Alors maintenant, l'ail, les amis, l'ail, ça c'est très important, puisque l'ail, je le broie, puisque si je ne le broie pas, eh ben, il n'est pas au mieux de sa forme, au point de vue allicine. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends cette espèce de machine et je l'écrase, les amis, je l'écrase, voilà, après, je gratte tout ça, je prends habituellement 3 gousses, dedans il y a la peau, je la laisse, aucune importance. Je mets 2 autres gousses dedans et j'écrase. Et là, voilà. Une fois que c'est fait, je retourne, il y a des petits picots ici qui font que ça décolle la peau, bien sûr, et c'est et voilà, et je mets aussi la peau là-dedans, ce qui reste. Et voilà, alors maintenant, je laisse ceci reposer pendant 10 minutes, de manière que les 2 composants de l'ail puissent travailler, je veux dire, ensemble et créer l'allicine. Si vous ne faites pas ça, vous perdez énormément de nutriments d'allicine qui sont présents dans l'ail, les amis. Alors effectivement, au début, je ne le savais pas et donc je ne le faisais pas. Ceci, les graines de lin que je mélange, voilà, avec mon espèce de paille métallique. Et ceci, je le bois à peu près 1 cuillère à soupe tous les jours, de manière à avoir un transit intestinal normal. Et maintenant, mon poisson blanc bourré d'oméga 3 que je vais me faire cuire. Voilà, mon poisson est dans ma machine. Je l'allume. Start. Je mets habituellement 5 minutes. Allez, on va essayer. D'habitude, je mets 5 minutes. Je regarde ce que ça donne. Et s'il faut rajouter, eh ben, je recommence. Et maintenant, ma boisson, ma potion magique, comme je l'appelle. Premier élément, bien sûr, le thé vert matcha. Le thé vert matcha en poudre que j'utilise depuis maintenant, 3 ans et ça marche très bien. Après ça, je prends gingembre organique ginger. Chaque fois, je mets une petite cuillère, à peu près une dosette de ce style. Voilà. Alors, donc 2 éléments. Après, je mets un peu, mais là, pas une cuillère entière, bien sûr, de piment de Cayenne. Je mets du turmeric, les amis. Turmeric, c'est le curcuma. Je mets du cinnamon. Le cinnamon, c'est la cannelle. Après, j'ai trouvé quelque chose de pas mal du tout. Ça s'appelle Super Green Power. Alors ça change toujours, vous voyez, suivant les marques que je trouve. Alors là, il y a du wheatgrass, du moringa, du gotha kula, du barnegrass, des épinards, alfata, tulsi et spiruline. Voilà. Et maintenant, pour inhiber Scott, je rajoute aussi une petite goutte, les amis, de bergamote. L'huile essentielle de bergamote, 100% pure et naturelle.
Voilà les amis, vous avez maintenant ma boisson magique. Alors je prends mon gros pot d'eau de source de 1 gallon et je le mets dans ces bouteilles en verre et au frigo. Alors où j'en remplis 4 bouteilles en verre comme celle-ci, où je remplis 8 bouteilles en verre comme celle-ci. Voilà les amis, j'espère avoir été précis. Vous avez été très nombreux à me demander depuis ma guérison si je continue à faire comme avant. Et ben oui, vous voyez, je continue comme avant et je continuerai minimum encore 2 ans puisque pour la médecine allopathique, une rémission, non pas guérison, devient une guérison au bout de 5 ans de non-cancer. J'en ai déjà 3 derrière moi. Je vais continuer 2 ans en étant extrêmement sérieux, en essayant d'être plutôt extrêmement sérieux. Et on se donne rendez-vous dans 2 ans. Merci les amis. Au revoir.